Ouais, c'est qui la première personne qui est là? C'est moi. Non, mais toi, t'es là, t'es pas là. Si c'est toi, tu t'es branché sur le truc, t'es déjà là? C'est pas possible. Je suis partout. T'es partout, toi, mec. Demain, si je le veux. Si je le veux et pas Dieu. Quand le feu s'éteint, on se pète? Ouais. Ah, avec le vent, t'inquiète, il va partir vite. Hein. Bon, une demi-heure, c'est réglé, non? Là, tu vois, le vent, d'un coup, ça rafraîchit. Ouais. T'as l'air, il était pas aussi frais, tu vois, là. Ça hop. Commence à cailler, là. Là, la nuit avant, c'est vrai que t'as le petit vent, là. Eh, ah, hey, c'est 1h30, là, mine de rien. Ouais, d'accord. Oui. Bon, la musique c'est Made in DJ Marco, hein. MC Marco, pardon. Parce que non, je préfère prévenir parce que. Tu trouves à fumer? Ouais. Les gens dorment. Ouais. Ça y est, c'est fini là. C'est 1h du mat. Salut Jambon. Joyeuse fête du vivant. Ça caille, hein, je vous le dis. Heureux Samira, on est là. On est là. Ah ouais, là, franchement, attends. Je vous raconte pas comme ça caille. Hein. Là, il fait moins 10 degrés avec le vent. En fait, il fait 3 degrés, mais sensation moins 10 degrés avec le vent. Si t'as pas l'habitude, t'es dans le cabanon à côté du chauffage. Mais on est toujours aussi chaud, hein, par contre. Quoi, attention, mesdames et messieurs. C'est quoi ce son? On n'est pas fatigué. C'est quoi ce son? Voilà, mais zap, Marco, zap, Marco, zap, Marco, zap. Putain, mais t'es sérieux, t'es sérieux. C'est de l'humour, c'est de l'humour. C'est qu'il y a mis. Non. Il dit, si t'arrives, tu fais n'importe quoi et ça marche. Sors ce son, sors ce son. Ouais. C'est pas faux, non, mais il a raison. Saigne, ça saigne. Il a raison, hein. Tu fais n'importe quoi, tu mets ça du son fort et les gens ils aiment. Il y en a qui osent écouter ça. Non, mais éteins, attends, Marco, non. Mais coupe, incroyable, coupe, mais vrai. Coupe, Marco. C'est du beau. Coupe, ah mais si, ah mais si. C'est de l'humour, les gens, c'est de l'humour. Ah, merde. On peut déconner un peu, quoi. Merde. Et on déconne, même si on n'a pas le droit, nous, on déconne. On emmerde ce qui nous empêche de vivre, et nous, on déconne, parce que c'est ça, la vie, ouais, nous, on déconne tout le temps. Un petit radio-L, vas-y, tranquille. Non? Bon, les DJ, là, franchement, c'est pas top, hein, je vous le dis. Non, je peux déconner, là. Ben ouais, déconne, pas de problème, les gens ils se barrent, hein. On est à zéro là. Ah non, on est deux. Enfin, on est deux, ils sont deux là. Tout le monde... Les réseaux sont même pas saturés et j'arrête pas de déco-reco, tu sais. Je vois déco-reco, déco-reco, tu sais.
Tu bouges pas, je suis sur le feu, tu sais, dès qu'on recoupe. Mort de rire. Voilà ma petite charpente. L'ancienne charpente de mon ma toiture. Bon, il aura fallu il aura fallu quoi? Deux bonnes heures, hein? Ah oui. Si c'est pas plus. Plus, ouais. Voilà ce qui reste. C'est du belge. Non mais ça va, tu vas t'étouffer ou comment on fait là? C'est qu'au syndic de merde qu'il a mis, ça y est, là, c'est clair. Toxique là. Lui-même, tu sais. Empoisonné. Il m'a empoisonné. Ça caille, hein. J'espère que vous êtes au chaud, vous. Parce que même avec ce superbe feu... Fait pas chaud, hein. Ah, le Marco. S'il pouvait rentrer dans le feu, il le ferait, lui. J'ai grillé, déjà, il y a bien longtemps. T'es grillé? De là, me jeter au feu pour une bande... Hein. Audi, là putain, tu vas au dodo? Hein, non? Tu te rapproches du feu? Bon, tant mieux si vous êtes au chaud. Que nous s'appelle, hein, quand même. Non, mais quand tu vois Marco, ça caille. Pour pas avoir chaud. Mais pour avoir chaud. Chaud. Colle-toi à lui, là. T'es à l'abri de la plaque, là, putain. Oh là. Alors. Oui, ah, regardez ça. On voit que dalle. Vous voyez la petite barre? Là, on est à 0, on est à moins de 5 degrés, c'est sûr. On n'est pas à moins 5, mais il y a moins de 5 degrés. Je suis entre le 0 et... Ouais, même 1 degré, il fait, là. Je dirais qu'il fait, allez, 1 ou 2 degrés maximum. Et... avec le vent, sensation moins 10 degrés. Il est où, le corona, là? Hein? Il est congelé, là, non? Il est mortel. Quoi? Ah, le corona, il est mortadelle. Il est mortadelle? Je l'ai mangé. Regarde. Il est mort. Hein. Quoi? Il est mangé. Il est où, le corona, tu dis, toi? Les étoiles, elles courent toujours ou pas, tout à l'heure, là? Non, elles courent plus, là. Il est où, le corona? Là, ils sont arrêtés. Il est où? Là. Là? Là, ouais. Bon, ben, voilà, il est grillé. Ouais, il reste encore un petit bout, si vous voulez. Ouais, t'inquiète, là, il va mourir. Voilà. Adieu. Adieu la couronne maléfique. Elle n'existe plus. Penser à la tête du diable, ni une chèvre. Quand tu veux le but, que tu vas faire le diable. Mais si, regarde, c'est une tête de boucle. Ah bah ouais, ça m'ira, nous, on s'éclate. Hein. Non, bon, on va aller se coucher dans pas longtemps, là, mais... Non, c'est pas pareil. On a passé une très bonne soirée. Tête de nœud de boucle. C'est les cordes de boucle. Mais c'est pareil depuis une semaine, là. Depuis qu'ils arrivent... Depuis qu'ils sont arrivés la semaine dernière, là, on a passé que des bons temps. On a bien bossé, on a fait ce qu'il fallait. Surtout, profiter de la vie. Oh, oui.
franchement, toi. C'est la fin, c'est la fin. Hey, regarde. Vous t'avez, diable. Ah ouais, là, il y a les cornes et tout, là, non? Attention, hein, là, il y a... Il y a du Satan qui est en train de se faire cramer, là, non? Attends, là, faut... Il n'y a pas moyen de s'ennuyer avec eux, hein, je vous le dis de suite, moi. Là, si tu faisais la sieste, c'est mort. Hein, moi aussi. Tu te caches le feu, là, Marco. Corona Circus. Macrona Circus. Corona circule. Ah ouais, là, il peut circuler, là. Macron, mange-moi le fion. Ici, il passe pas. Oh, merde, oh, merde. Attention, t'es en direct, t'es en direct. Excuse. Le corona circule, ouais. Le corona, je t'encule. Mais, ouais, carrément aussi, ouais. Ouais, j'ai dit, il peut aller... Il est mal, ici. De toute façon, il passe pas la... Il passe pas la barrière. Il s'arrête à la frontière. Comment que c'est? On peut rentrer? J'ai juste mes doigts pleins de terre quand je travaille. Corona... La terre, c'est tu qui, peux parce que leurs enfants la digérer. Ramasse un morceau de bois dans la forêt, hein, pour une fois de leur vie qu'ils y vont. Touche pas à ça, c'est ça. Ah ben au froid ici, Samira, on est préparé, hein, je te le dis. Hein. Après, il y en a d'autres dans la tour de. Il y en a une qui se prépare, elle devient une guerrière du froid là. Elle va rentrer chez elle, elle va avoir chaud, tu sais. Elle va ouvrir toutes les fenêtres, hein. T'auras l'habitude là après du froid. Tu vas rentrer chez toi, tu vas être la reine du pétrole, non? Tu vas économiser du chauffage et tout là. Mais putain, tu vas choper un crève pendant 3 jours là, rentre. Allume pas le chauffage de suite, hein, ou alors vas-y doucement. Hein. Elle va allumer le chauffage, elle va se promener en... Elle va devenir, comment on dit, dehors, naturiste. Dehors, cul nu, naturiste. Dehors. Trop chaud dans la maison, trop chaud. Trop chaud. Le nucléaire. Le nucléaire. Sans dessus dessous. Sans dessus dessous, exactement. Il y a 8 personnes. Ouais, ah, c'est tard. Hein. Ouais, mais c'est pas mal justement pour la. Ah bah oui. Ouais, merci à vous. Ouais, merci à vous d'être là. Parce que c'est pour vous qu'on fait ça, hein, aussi. Ouais. C'est pas pour nous. Ouais, hein, nous c'est un échange. Voilà, c'est un échange. Partage. Personnellement, même si on se connaît pas, j'aurais préféré qu'on le fasse plus dans le. Mais nous allons passer outre. Ah bah ça c'est sûr. Ouais, bonne soirée à toi Samira, merci d'être passé. Salut Samira. À très très bientôt. Bonne soirée Samira. Samira bien. On a... Si ça redescend en dessous de 3 personnes, on déco, hein, même avant la fin du feu. Hein. Ouais. Se casse. C'est pas du normal. 7, 7, 6, 6, oh, 5, 5, ah non, 8, 8, 8. Oh. 8. Les enchères. J'ai un petit truc rigolo là. Alors qu'est-ce que t'as de rigolo? J'ai un petit papier, un poète ou un papier. Mais j'arrive pas à l'ouvrir quoi. Ah ça y est. Ah, oui, t'as, ah d'accord, c'est un poème. Ouais ouais, c'est un poème à Macron. C'est un poème des îles. Un poème des îles de Marco, attention ouais, les gens. Un poème des îles pour rigoler comme ça. Hein. Vas-y. Bon. Moi, donnez ce coup sur vous pour communier bonheur à nous. Nous donner secousse douce et joyeux, moelleux, au pied du feu. Tout sourire, toi sourire et moi rougir au comble du plaisir. Bon, je sais pas si... C'est créole, si, voilà. Ouais, ouais. Si on veut. Allez, vas-y. Moi donner secousse en vous pour communiquer bonheur en nous. Nous donner secousse douce et joyeux, moelleux, au pied du feu. Toi sourire et moi rougir. Au comble du plaisir. Oh, yeah. C'est joli. Ouais, c'est mignon. Bon, ça va, t'as fait partir personne, ils sont toujours 8. Ouais. Moi, j'étais très inquiet, t'as vu, je tremblais. Hein. C'est vrai, ouais. Je tremblais après. C'est pas le froid, par contre, qui te fait trembler, non? Ouais, le froid, il m'a secoué. J'ai l'espèce de machin que j'ai mis sur la tête. Je trompe.
Ouais, la fumée par contre. Là. Pique les yeux. Ouais, ça pique. El Diablo. On l'a fumé ce soir. El Diablo Gigolo. C'est dommage qu'on voit pas les étoiles. Ah si, on en voit une là. Ah, ça c'est une étoile. Pas peur mon ami. Étoile, lune. Là c'est du gros plan là. A pas peur mon ami. A pas peur. T'es rentré de la messe en Provençal, Justine, justice divine. J'espère que tu t'es bien amusé. Enfin amusé, on se comprend. T'as bien profité. Nous on se réchauffe auprès du feu parce que ça caille à mort. Il fait 1 degré, il y a du vent, on a la sensation de moins 5. Au moins. Ça m'ira bien. Bonne nuit à toi. Bisous, bisous. Chercher. Ah bah si à la messe ils ont pas enlevé les masques là, c'est honteux. Normalement tout ce que la source de la création a créé justement est censé ne pas être néfaste, hein. Donc on devrait accepter tout ça, les différences. Ça, c'est notre histoire. Plus près du feu, Marco, comme ça, te vaut mieux encore. C'est un fou, ça. Je crois que ça trouble, là. Marco et la danse du feu. Tiens, regarde ici si on est au doigt et à l'œil. Ici on vit directement le moment présent. Faut que je vous montre ça parce que c'est trop marrant quand même. Sac à piscine, le retour comme il tue. J'arrivais presque à voir les trois en même temps, la lune, Marco et le feu. Ouais, on en profite, tout ce qu'on peut, on profite. Ben, merci à toi, spécialité Météo France, d'être ici. C'est la danse du feu, c'est exactement ça. Il a la patate encore, notre Marco, t'as vu? Ouais, il neige, descendre. Non, il neige pas. Mm-hmm.
J'espère que tu profites bien, ma chère Capucine. J'ai cru que... Je croyais qu'on profite pas ici, franchement, regardez ça. Chacun se lâche. Hein. Bon, nous, on est un peu congelés, là, on vous avouera le truc. Mais, bah ouais, on va bouger. Hein. On va tous se mettre à danser, là, autour du feu. Ah ouais, ça, c'est le trident anti... Anti-tout. Montre voir le trident. Regardez-moi ça. Il a même plié une dent déjà. Merde, oh merde. Même lui. Même lui, il est plié, hein. T'as vu? On a plié le malin. Il a entendu, putain. Il a dit, non, c'est pas bon aussi, quoi. Le malin s'est fait plier. Ouais, ici, on est des tueurs, ici. On n'est pas là pour rigoler, nous. Hein. Enfin, si, on rigole, mais juste au moment présent, quoi. Nous rigolons sérieusement. Voilà. Le feu est un petit peu bien chaud, c'est sympa aussi, ça c'est sûr. Mais on n'a pas de vin chaud là. On a du vin tiède à cause de Lise Rose parce qu'elle, elle chauffe son vin. Ah non mais c'est mou là-bas. T'es là, malheureux. Ah ouais. Ouais, de toute façon, ça y est, je baille. Oh, il y a les gros nuages qui arrivent là. Ouais. Ça va cailler encore plus là, les gens. Il va falloir nous motiver pour qu'on reste. Hein. Appelez les copains. Hein. Oh, ouais, appelez les copains. Hein. C'est vachement bien, les copains. Oh, je sens un peu la chaleur, ça va mieux là. Et regarde. T'as vu, on s'éclate ici, hein. On a mis 51, salut. Bonne nuit à toi. Dors bien et prends des forces pour demain. Il va falloir qu'on bouge bientôt. Allez, si jamais il y a 100 personnes, je me fais tatouer avec cette truc. Vas-y, sors la voir pour voir. Vous voyez comme elle est rouge. Elle est bien rouge. Hein. Et ben, je me fais tatouer avec ça. Mais il faut qu'il y ait 100 personnes. Hein. Alors, rappelez vos copains. Hein. Ça va, je prends pas de risque. Là. La Starcy. C'est serein, là. Ah, ben, je suis serein. Ouais. Ça y est, t'as plus de batterie, c'est fini. Ah, ça veut dire... La musique, c'est fini. Eh ben, voilà. Attends, je vais voir. Bon, ben, écoute. Oh putain, c'est quoi, c'est mon verre, non? Ouais, c'est ton verre. C'est quoi? Non, c'est la gamelle... C'est la gamelle à sanglier. Ah merde. C'est le sanglier. Le sanglier. Ouais, c'est... Fumeur aussi. Et t'en as plié deux, quand même. Lâche-moi. Ah, t'es foutu. Je veux pas lâcher.
Bon, demain, on va profiter de cette journée encore paisible. Et à partir de après-demain, il faut se préparer. Et bisous. Ça y est ? Ça y est ? Ah, mais t'auras tenu longtemps ce soir. Bravo. Pour une fois, pour une fois. Lise Rose dans le froid total. Elle a réussi à tenir jusqu'à maintenant. Félicitations à elle parce que franchement... Non mais oui, même nous on souffre. Hein, faut être des guerriers quoi. Hein. Hein. Si, t'es une guerrière, t'es une vraie guerrière, attends. Attends. Sois fière de toi, Lise Rose. Attends, là, j'ai avancé. Et tu vas entrer chez toi, tu vas jamais pu mettre le chauffage de ta vie, t'inquiète, tu vas être immunisé contre le froid ici. T'imagines les économies? Ou pas. Et roule pas jusqu'en bas. Bonne nuit. Ciao, à demain. Ouais. On dort au moins 8 heures, hein. Donc là, on se lève pas avant 10 heures. Ah, parce qu'à 5 heures du matin, elle est debout, quoi. Hé, hey, t'as pas dit que t'avais le liqueur pour terminer la soirée? Ah oui, si. On sort la liqueur? Ah bah oui, pour terminer bon, la soirée. Bon, bah écoutez, allez, on va sortir la liqueur de figue. Hein, t'es chaud pour la liqueur de figue, Marco? T'es chaud? Bon, bah liqueur de figue, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faut tenir la route, ouais. Si on est bon, soit on n'est pas bon. Hein. Donc, faut assumer, quoi. Je suis mal. Hein. Ah ben non, mais lui, la liqueur de la figa. On t'a mis la soirée sur l'intérieur. Donne-moi ça. Ouais. Yes. L'intérieur de l'extérieur. 2019. Ouais, vous avez vu, il ne reste plus rien. Ils m'ont tout bu, les mecs. Il n'y a que ça. Ils m'ont tout bu, les mecs. Il n'y a plus que ça. Ouais, il n'y a plus que ça. On n'a pas goûté encore. Oh non, moi j'y dirais pas. Tu verras goutte. La gougoutte, la gougoutte. Ah non, mais ça caille. Hein. Même moi j'ai froid, les gens. Attends. Si moi j'ai froid, c'est que ça caille. Hein. Je vous le dis. Ouais, bon, moi ça va encore. Ça va encore, toi? J'ai dansé un peu, tu vois. Ouais, voilà, parce que t'as dansé, toi. Un peu de bière et puis danser, ça réchauffe. Hein. Ah. Hey, ça pique. Ça pique un peu, là. Ouais. Allez. C'est la mienne. Merde, il est où mon verre de bière quand même? Ouais, moi aussi je vais aller là. Ça c'est de la bonne, je vous le dis. C'est fait par ma tante qui habite dans les Vosges. Bon, je pense qu'on peut terminer là. Bien. Merci mec. Voilà, bah on a le droit à un verre chacun rempli jusqu'à la gueule. Ça va? Et hop là! Ouh, si c'était bien servi ça. 5h du mat, j'ai des frissons. Et j'ai des bouteilles vides, vides, vides. Ah oui, là si tu fermes, ah là on va être bien là. Ah, un peu de chaleur. Un pipi, hein, la bière est un délice. Hein. Ouais, vous voyez, une fois qu'on ferme la porte, c'est fini, il fait chaud. Il faut remettre du bois, non? Il y en a de bobo. Ah, voilà. Elise Rose, elle est partie, elle ne sait même pas pourquoi. Là, elle a loupé quelque chose. Nous, on va se taper la liqueur et puis on va bouffer son gâteau quand même, hein, mine de rien. Parce que, non, mais attends, faut pas déconner. Moi, je veux le goûter, ce gâteau. Il a l'air trop bon. Et même un peu étrange, il est réchauffé au poil, tu vois. Et carrément. Ouais. Voilà, la pauvre. Rappelle-la, va. Hein? Rappelle-la, la Lise Rose. Alors, je vais leur laisser quand même une petite part, tu vois. Voilà. Et ça, c'est pour moi. Ah, merci. Ouais, je vais goûter son gâteau fait avec amour. Mmh. On a regardé qui est là pour goûter le dessert aussi. Mmh. Tu perds pas le nord, toi. Hein. T'étais pas au dos en train de dormir comme un bébé? Comme un loir? Hein? Oh! Qui c'est le loir? T'étais pas au dos, toi? Qu'est-ce qu'il fout là? C'est toi qui l'as réveillé?
Merde. Il veut un gâteau, ce con. Non, mais tu fais là, mais... J'ai coupé le gâteau, il est arrivé. Il est passé entre vos jambes et tout, il n'y a personne qui l'a vu. C'est un ninja, mon chien, je te jure. Je pousse la porte. C'est un ninja, ce mec. Il n'est pas trop marrant, mon chien. On va l'appeler Passe-Muraille. Passe-partout. Non, Passe-Muraille, carrément. Inhaler, salut. Eh bien, écoute, de rien. C'était un plaisir. Solitaire, mais écoute. J'espère que ça t'a fait un petit peu de compagnie. Bon, t'es pas mort, après le gâteau. Carmelo, salut. On te garde un gâteau. Une part, t'inquiète. Non, je suis pas mort, ça va, non. Il est bon. Demain matin, avec le café, il va péter, lui. Bon, je reste au Ricard. Hum? Non, je préfère le Ricard. Hum? Je préfère le Ricard. Tu sais, Ricard, il y a la goutte, là, maintenant, que je te raconte. Il y a la goutte, hein. Ah ouais. C'est bon, là, mec. Ouais. Au revoir. Merci bien. T'es toujours là, Samira? Nazazdorovia, en russe, hein, s'il vous plaît, je suis désolé. Nazazdorovia. Désolé de quoi? Nazazdorovia. C'est terrien. Ou bien. Tan. Ça, ça tue. Mais quel gros gosier, c'est de là. Quoi? Tu souviens, t'as un bout de gâteau? Les goulus, quoi. Quoi? Les goulus. Bah attends, normal. Shooter, voilà. Ah, ça tue. Il est bon le gâteau, il tue. Elle a mis du rhum dedans, franchement ça pète. Ah, si elle a mis du rhum, je veux bien goûter. Tu veux pas faire un café, Marco? Non, café. Okay, non, je veux pas de café à sortir, sinon je vais pas dormir la nuit. Non. Ah, moi je vais m'endormir, mais dans 2 heures je vais te péter les couilles parce que je veux un autre café, tu vois. Non, nous. Je t'ai entendu, t'inquiète. Nous, les restrictions, on s'en fout. T'as vu d'ailleurs, l'autre guignol, il s'en fout aussi des restrictions. Il les était à 10 quand il a soi-disant chopé sa merde, là. Trou du cul. Chopé sa merde? Sa merde, ma prof. Ah, ils étaient à 10 quand ils ont fait leur repas, là. Sa mère, oui, c'est pareil. Oui. Nous, on est plusieurs. Chacun, là, que tu vois, là, on est plusieurs dans les têtes. Donc, déjà, on est à plus que 6, hein, je te le dis. On est 10. Lui, à lui tout seul, ils sont 25, lui. Voilà. Avec lui, je vais voir mon petit. Ils sont à 50. Il me dit, comment allez-vous? Je lui dis, ils vont bien. Comment allez-vous? Ils vont bien. Bon, et moi, ça varie des fois. Des fois, je suis tout seul, mais des fois, je suis nombreux aussi. Regarde-moi ça. Et on rentre à l'intérieur pour bouffer le gâteau. Regarde-moi les deux roufiants. Autant le Bran... Il est en train de dormir, il roupit comme un loir, que les deux là, ils ont l'habitude, hein, je te le dis de suite. Ah, ils connaissent la musique, c'est là. L'autre, il veut un bout de gâteau, lui. Hein. Le chien, il veut un bout de gâteau, regarde. Il reluque mon bout de gâteau. Mon bout de gâteau est là, et lui, il est là, rien. Et il fait quoi? Il reluque mon bout de gâteau. Mort de rire, ces animaux. La passion des animaux première, la bouffe. C'est pour ça que, comme tu disais tout à l'heure, quand nous aussi, en tant qu'animaux, on va plus avoir à bouffer. Putain, il y a un bout de gâteau qui est tombé par terre. Normalement, c'est pour Rick. Rick, il saute par terre et l'autre, il a déjà bouffé. Tiens, Rick. Rick, j'ai pas dit les fous, j'ai dit Rick. Les fous, Rick. Rick, il est là, mais il n'y a plus rien déjà. Mais c'est où? Oula. C'est où? Ça y est, il a pris le morceau, il s'est sauvé en courant, le chat. Mort de rire, ils sont trop marrants. Sérieux, tu devrais goûter, hein. Je te jure que ça passe crème. Bon, le café, t'inquiète. Ah, moi, je compte pour 10, ouais, t'inquiète. Dans la connerie, hein, attention. Bon app, Gary. Tu t'endors doucement. Tiens, mon cœur, regarde. T'es de nouveau là. On mange le gâteau, là. Hein. T'as lui qui est là. Et l'autre est là aussi. Regarde. Regarde-moi, allez.
L'autre, il bouffe mon fil et tout. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, les deux, là? Oh, oh, qu'est-ce que tu fais? Don't touch my... mon fil. Mange le gâteau. Arrête. Putain, l'autre, il met des coups de croc. Mais t'arrêtes, mec. T'arrêtes. T'arrêtes. Mange le gâteau, tiens. Regarde. C'est pas... L'autre, il me croque le fil. Il me croque le fil du micro, hein, t'as vu? Emmanuel. Salut, regarde l'autre. Bonsoir. Qu'est-ce que tu regardes là? Eh ben, regarde le gâteau. Y a moyen, y a pas moyen? Y a moyen, y a pas moyen? Non. Oui, bon. Salut, Emmanuel. Ouais. Pense à ta ligne. T'inquiète. Hey, Zingré. Salut. T'inquiète. À partir de... On est quel jour aujourd'hui? Je sais même pas quel jour. On est jeudi. Jeudi. Jeudi, demain. Vendredi, on est le 25. Vendredi, samedi. À partir de dimanche, je fais un régime vraiment drastique. Ah oui, soupe aussi. À l'eau, soupe de cailloux. Randonnée à gogo, comme ça. Je vais perdre tout ce qui est en trop. Je vais très bien, merci Zinfri, j'espère que toi aussi. Les fous fait quoi là? Ben, les fous, on se demande ce qu'il fait là. On a coupé le gâteau, il était là. On sait même pas comment il est venu. Et lui non plus. Hein. D'habitude, à cette heure-ci, ils sont tous aux plumes, ils sont tous en train de dormir. Arrête de jouer, toi. C'est le micro de mon bébé qui... Alors, t'aimes pas le gâteau? Tiens, t'aimes pas? Si, il mange quand même. Il mange avec le petit gâteau? Il est délicieux ce gâteau. Dans le 34, Emmanuel. Dans le monde de trop. L'héros. Gaston un peu. Touche pas mon fil. Il y a les tiges là. Là, il y a les tiges. T'arrêtes des fous. Rick, pardon. D'habitude, c'est toujours lui qui fait des conneries. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ça y est, mort de rire. Attends, dernier morceau. Salut mon copain. Salut. L'autre il dort debout, c'est clair. Hop. Un peu. S'il te plaît. Oh la miette. Mais c'est pas une miette ça. Non, c'est pas du gâteau, hein. C'est pas du gâteau, c'est plus de miettes. T'inquiète, moi je prends tout, moi. Ah, quoi. Je prends tout, moi, mec. Pas, non, du gâteau, oui, mais la miette, non, quoi. Ah, il prend pas la miette? C'est pas un moujon, mon chien, t'as vu? Il y a que les moujons qui prennent les miettes. Lui, il veut le gâteau, lui. Regarde, donne-lui ça, tiens, tu vas voir. Ah oui, ça, je prends ça. Ah, il est pas fou, c'est clair. Il a été à la bonne école, ce chien, tu crois quoi? Ce chien, c'est un cirque à lui tout seul. À tous les niveaux, hein. La ménagerie et tout, les trapèzes. Samira, je pense que en l'espace de 5 jours, là, que vous êtes là? Ouais. J'ai dû prendre 5 kilos. Ça craint, franchement, ça craint. Mais moi, j'ai honte. Moi, pas un gramme. T'en pas un gramme? Non, juste des grammes d'alcool, toi. Moi, c'est... On n'est pas très loin, nous sommes à Signes. Ah oui, du circuit du Castellet, d'accord. J'ai jamais eu l'occasion d'y aller au Castellet. J'étais à Lédenon, moi, circuit de Lédenon. Lise Rose, elle est partie au dodo, ouais, mon cœur. T'as vu mon double mouchoir? On comprend pas. Comme bouffant. What?
C'est clair, une bonne crème anglaise, ça serait génial. Mmh. Moi, je mange le gâteau à la bière. Ouais. Je te regarde, il ne reste plus que ça, et après dodo. Hein. Y'a dodo, y'a dodo, y'a dodo. Oh, c'est froid. Pas besoin de frigo là. Ouais, Samira, c'est la bière aussi. C'est pour ça, là, dimanche, je fais un sevrage de bière. Ça va être dur, hein, parce que ça, c'est mon péché mignon. Après que de l'agneau, là. Hein. J'arrête la bière pendant 2 semaines, c'est bon. Ouais. Pourquoi ça arrête, hein? Marlène Lacac. Joyeuse fête de du vivant. Merci, c'est pour vous aussi. C'est ça que tu parles, mon double menton. Bravo, merci. On était 4, il y en a une qui est partie se coucher, c'est Lise Rose. Il y a Marco. Lui, il chie sur le masque, le mec. Et attention. Et il le porte en plus. Non, il le porte pas. Si, du coup, le masque. Il y a les fous, le mangeur de miettes de gâteau. Il y a Rick, le fouteur de merde. Il est là partout quand il faut pas. Et quand il faut chasser les souris, ben, il y a des gains. Le mec, il a laissé rentrer les souris, tranquille. Et puis il y a Bran qui est au dodo dans le camion de son maître. Ouais. Par contre, il a squatté le lit avec eux. Attends. Aucun respect. Ah si, justement, il te respecte, il te réchauffe le total, la totale. Le total. T'as le total réchauffé. Quand tu rentres dans ton lit, c'est tout chaud, tout nickel. Attends, oh, c'est pas tous les chiens qui font ça. Au, au poil. Au poil partout. Ouais. T'es pas allergique? J'espère. Parce que... Atcha. Fin de repas en famille à La Ciotat. À La Ciotat, d'accord. On rentre à Signe, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à toi, Emmanuel. Pareil, faites attention sur la route. Hein, parce que les organes de sécurité, c'est zéro. C'est des organes de mort. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut être vigilant à 100%. Donc, faites attention à ça. L'arnaque des limitations à 80 km/h. Je vous avais fait une vidéo. C'était la deuxième, ou troisième, pardon. Ça date, hein. Enfin, bref, faites attention sur la route. Merci d'être passé en tout cas. Santé, qu'elle dure très longtemps. Et demain, il faut être opé pour le combat. Hein. Ils veulent nous empêcher de faire Nouvel An. On va les empêcher de faire Nouvel An, vous inquiétez pas. J'en dis pas plus. Eh ben, il était super. C'est hallucinant comment ils ont pu rentrer puisque tu avais fermé la porte direct. Hein, quand même. Mais je suis sorti pisser. Ah oui, tu es sorti pisser. Moi je suis tourné, tu vois, j'étais au poil. Ouais, et après, quand lui est sorti, enfin, quand ils ont incroyable. La faille, quoi, à pas louper. C'est des super ninjas, mes animaux. Rick, le soir, il monte par la porte comme ça, il passe par au-dessus, parce qu'il y a plus d'espace. Oui. Mort de rire. À chaque fois, il me réveille. Bon, bah, écoutez, on espère que vous avez passé une bonne soirée. En prenant du bon temps. Peu importe la date, c'est tous les jours qu'il faut s'amuser. Parce qu'on est là pour...
profiter de la vie et pas pour être les esclaves de certains salopards qui se prennent pour je sais pas quoi là. Il est temps de leur faire. Enfin, de leur montrer que c'est nous les big boss. C'est ça mon amour. C'est trop bon. Et je vais faire des restrictions alimentaires. Il faut s'habituer au futur qui nous arrive là. Donc, normalement, on doit manger 250 grammes par jour. Par jour, hein. Donc c'est les trois repas compris. Donc je vais commencer les restrictions. Là, je suis à 2 kilos par jour. 3. On est à 3 kilos par jour de bouffe. Oh putain, ah, je suis mal. Non, bon. Déjà, je vais commencer à être à 250 grammes et on va réduire, hein, 10 grammes par 10 grammes. Ça va aller vite, hein. Là, je vois pas. Salut. Girovica. Albania, t'as vu, j'ai réussi à avoir ton pseudo. C'est ça, des choux de tous les sens. Même les choux chinois. Putain, j'ai pas besoin de forcer, moi j'ai déjà les yeux bridés. Hein. Non, en plus, putain, oh les poches que j'ai, oh, j'avais pas vu. Oh, bridé de poches. Ouais, non, mais là, j'ai les yeux bridés avec des valises en dessous, comme ça je range les affaires et tout, t'inquiète. Je peux aller voyager tranquille les mains dans les poches. Voilà, tout dans la tête, rien dans les poches. Tout dans la tête, rien dans les poches, c'est ça. Alouette. Les graines de chou chinois, je sais pas, je regarderai si j'en ai, je sais plus. T'en as ? Je suis quand même beau. Ben merci beaucoup. Il n'y a que toi qui me trouve mon cœur. C'est le principal, tu me diras. Je passe bien. Ouais, ça va, mais de toute façon, je me plains pas, hein, à mon âge. C'est vrai qu'il y a pire, quoi. Comme quoi, une bonne hygiène de vie. Eh bien, ça paye. C'est mon chat qui est beau. Rick, ça va mon bébé? Qu'est-ce que tu fais? Tu dors déjà? Pourquoi tu vas pas en haut là? T'aimes bien la musique? Tu veux rester avec nous? Minous! Coucou! Y'a Rick? Y'a Rick ou pas? Brrr. Ah, le mec il est solo. C'est la différence entre mon chat et mon chien. Chaque fois que je bouge, quand je suis tout seul au terrain, je suis obligé de prendre le chien, alors que le chat, je peux le laisser tranquille. Le crône serait un légume à revisiter en cas de catastrophe. Le crône, tu connais Romuald? Crône? Moi non plus, je connais pas. Hein. C'est quoi comme légume? C'est cactus à feuilles rondes. C'est KR1 94 qui nous. Un grosse feuille ronde. Un cactus à grosse feuille ronde. En tout cas, ça se mange. Hein. Il suffit d'enlever les épines et tout. Il y a une technique, je ne sais pas du tout. Il y a une manière de le manger. Est-ce que c'est ça, KR, le crône, c'est quoi comme ça. Fort possible, écoute. J'ai pas eu le temps de pourquoi il y a plein d'alternatives dans la nature. Hein. Il y a les glands, les châtaignes, énormément de salades sauvages, les pissenlits, les orties. Il y a plein de trucs qu'on peut manger dans la nature. Une racine qui pousse comme la pomme de terre. Ben écoute, je regarderai ça, KR. KR1. Parce que je connaissais pas. C'est une racine apparemment. Ah ouais.
Je vais rencontrer quelqu'un là justement, un monsieur, une bibliothèque, donc un vieux, parce que tous nos vieux qui font partie du peuple sont des bibliothèques vivantes. Et quand ils meurent, eh bien, c'est une bibliothèque qui brûle, c'est pareil. Comme les bouquins. Exactement. Ils ont fait brûler les bouquins, des pans entiers, du savoir des gens et tout. De l'humanité qui ont été brûlés, quoi. C'est ça. Ouais. Donc je vais rencontrer ce monsieur incessamment sous peu et il cultive des vieux légumes, des espèces anciennes. Et j'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'il a à m'échanger. La racine elle est cuite, c'est fibreux et légèrement sucré. Bah écoute, je me renseignerai bien. C'est comme le manioc, d'accord. Franck Russo. Ah, c'est une question, pardon, excuse-moi. Est-ce que c'est comme le manioc? Le gingembre aussi, hein, c'est très bon. En dehors le boost que ça peut donner au niveau performance. Ouais, bien sûr que ça nettoie. L'hiver, infusion. Et un tueur. Demain, le faire en prévention, nous serons prévention. Des bibliothèques aussi, mais certains seront des biblio IKEA. Bien joué, Capucine. Biblio carton. Ouais. Des biblio carton. IKEA, ouais, donc carton, c'est ça. Qui est pas tu vois la truc qui est derrière moi là, c'est truc IKEA. Cette épaisseur là que tu vois. C'est une plaque de toute fine de bois contreplaqué remplie de colle, l'appareil. Là, c'est une lamelle. D'accord. Et à l'intérieur, c'est du carton alvéolé. Ça prend l'eau. C'est fini, c'est pourri, ça tient plus. Quoi. Achetez IKEA, hein, vous rendez service aux multimilliardaires de cette marque. Ma grand-mère mélangeait le croûn avec de la pomme de terre, tiens. Ouais. Mais moi là j'ai. Ouais, topinambour aussi, ouais. J'ai testé la poire de terre. J'ai fait des petites vidéos là. Je vais vous faire un montage incessamment sous peu. Et ça, ouais, c'est très très bon aussi. Ça peut même se manger cru, je ne le savais pas. Et ça s'associe aussi à la pomme de terre. Et bon, on verra ça. J'en ai deux, trois, je vous montrerai. Ah oui, c'est le croûn avec un S, d'ailleurs. Ok, d'accord. Est un aliment traditionnel de la cuisine d'Extrême-Orient. Son goût est fin, légèrement sucré et rappelle l'artichaut ou le salsifis. Merci pour l'info. Inhaler. Ouais. Avec un coup de vent, de meuble tombe tout seul. Ça c'est clair. Il est aux aguets. Le mec, il est aux aguets. Attends, tu ne te regardes pas et tu bouges en direct, tu ne te regardes pas. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Rick, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est? Attaque-le. Il est trop marrant. Je sais pas quoi il tourne, mais il lui fait de la musique, c'est. Ah, oh, c'est une musique techno là, écoute. Il y a moyen de faire un son là, c'est sûr. Il y a un outil d'osagué, tu sais. C'est sûr qu'il a vachement peur. Ah, s'il a levé la patte quand même, il était prêt à te défoncer là, regarde. Oula, là quand il se met comme ça, Bruce Lee, tu vois. Ah non !
Ouais. Pas très vigoureux, hein. Qu'est-ce que tu fais ? Vic, qu'est-ce que tu fais par terre ? Oui, mais c'est pas moi. On m'a poussé. Si tu découpes le haut de ton bonnet, tu fais une pipa magique. C'est ça. Ah bah c'est toute c'est la vaisselle, bon. C'est pas grave. Bah tu sais, c'est pas un bonnet, puis c'est coupé déjà en haut, regarde. Et c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'inverse d'une kippa, ça, en fait. Tu vois c'est une paki, ouais, il y a du zef, c'est sûr. C'est des ménages à vaisselle et tout. Et toi, t'appelles ça comment? Une kippa magix. D'accord. Bah, c'est ça, Rémi, hein, tu vois bien. C'est l'inverse de leur truc de merde. Tu vois, c'est pour leur montrer que bah, je les emmerde bien profondément. Non. Les endives aussi seraient à réviser. Pas besoin de lumière, ouais. Non. Les endives, je les mange que crues, moi, j'ai horreur de sa cuit. Non. T'as vu, mon chat, il est magnifique, hein. Il n'est pas découillé, non, je ne l'ai pas découillé. Ah, ben, bah, pourquoi pas, écoute. Il y a moyen, hein. Je ne le ferai pas castrer, lui. Hein. Par contre, les fous, je suis en train de réfléchir, parce qu'il y a deux femelles en bas, là, et il s'est barré 3-4 fois. Là, c'est fini. Celle qui a 2 ans et demi, elle n'est plus en chaleur. Mais franchement, j'ai dû aller chercher 3-4 fois. C'est horrible. Il y a un mec qui m'a appelé un soir. Ton chien, il a aboyé toute la nuit. Laisse tomber, quoi. Ouais, non, mais ça caille ici. Il y a tout qui est ouvert. Il y a le poêle qui est allumé. Mais ça caille quand même, Carmelo. C'est le vent. Ouais. Il faudrait qu'on ferme bien comme il faut. Que je mette le double rideau, tout le bordel. Tu vois, là, regarde, j'ai dû habiller ma porte d'un double rideau, là, comme ça. Et puis là, j'ai remis encore un rideau quand je ferme ici, avec le poêle qui chauffe. Là, ça chauffe. Là, il fait bon, tu vois. Mais là où on est, regarde, on a tous la veste. Hein. Parce que mine de rien, le vent, il souffle mort. Et c'est pas encore étanche, mais écoute. On est bien. On va cultiver les escargots. C'est bien une paquille, t'as vu? Ça pète, hein? Au moins, t'as toutes tes vibrations qui rentrent, là, t'inquiète, et puis les tiennes qui sortent. Comme ça, t'es en communion directe avec l'univers. Ah ouais, Rick, c'est ton surnom? Eh ben, écoute, c'était l'année des R. Je l'appelle Rick ou Rip. Parce qu'à la base, c'était référendum d'initiative populaire, mais comme c'était Sarko qui savait, s'était approprié ça pour justement faire voter que les guignols de son acabit et pas le peuple, parce que populaire, c'est pour nous, le peuple. Mais non, c'était réservé à cette... même entre jambes, ça fait déco recrue. Tiens, même quand on est très poli, ça marche pas, quoi. C'est incroyable. Et donc, je suis passé à Rick, mais on peut très bien remettre le P à la place du C. On s'en fout complètement. On a très bien compris ce qu'on voulait dire. Franck Russo, Jean Ferrat chanté complotiste, théorie du complot, brûlé sur le bûcher. À la base, c'est un protège-coup, ça. Je m'en sors comme bonnet, bon, écoute. Tu devrais avoir une écharpe par ce temps qui n'est plus sûr. J'en ai 3-4 des écharpes, t'inquiète. Quand il fait vraiment froid, je mets ça en plus. Pareil, merci pour l'info du Crohn, je vérifierai tout ça. Carrément, Samira, je t'en garde des chatons. Heureuse et frite, encore debout. J'espère que tu vas bien, toi. Concrètement, le sang devra couler si le peuple veut vraiment avoir le RIC. Ça, c'est sur KR1. Ouais, nous aussi, on va pas tarder. Là, on termine nos verres et on y va, là, parce que ça caille à mort. Et demain, on va se la mettre tranquille. Après-demain, mes invités, ils prennent la route.
mon cher Romuald, il appréhende déjà. Mais on va lui donner du courage. Je vais mourir. Non, non. On va faire en sorte de les saouler, les deux autres. Comme ça, ils vont dormir tout le trajet. Et tu seras part. Déjà. Les petits seraient magnifiques, ma chatoune est tricolore. Aïe aïe aïe, donc c'est une tricolore, on dit c'est comment Isabelle. Une Isabelle, ouais. Demain, la fermière part. Passe de pensée, Zéphri, j'espère que tu vas bien, écoute. Ouais, c'est clair, Capucine, tu fais bien de lui dire, ouais. Faire gaffe qu'elle te met pas un coup de picouse là pour te vacciner sans ton consentement en plus. Peut-être qu'un juif a eu l'idée de faire confectionner des bonnets et a découpé le haut pour l'équipa. Et le reste protège coup, malin. Ah mais carrément Rémi. Mais ça, mais franchement, t'assures à mort, parce que j'en suis sûr à 100%. Les mecs, ils ont gratté, ils grattent tout de A à Z, les mecs, attention hein. C'est des. Au niveau de l'économie, c'est des tueurs par contre, ça c'est clair. Hein. Bah, de toute façon, c'est eux les banquiers. Hein. 14 points de suture, oh putain. Mais écoute, bon courage hein, en tout cas. Une Isabelle. Ah, c'est sûr que ça va faire des beaux châteaux. Ah. Donc, pensée positive pour mon Zéphri. Elle a deux vaccins. Elle, a... Elle est bonne celle-là, mon Zéphri. Et salut Marc Bonne. C'est ton anniversaire. Eh ben bon anniversaire, mon cher Marc Bonne. Alors, tu vois, voilà, ça c'est bien. Parce que nous, on fête pas la fête officielle, on fête la fête du vivant. Et en plus, c'est ton anniversaire, donc ben. Bonne année à toi, en plus de cette fête magnifique du vivant. Ils nous feront rien, bientôt nous aurons une puce RFID pour les plus chanceux et le vaccin mortel pour le reste. Ouais, sauf que pour nous on n'aura rien et nous on continuera à vivre, hein, ça c'est sûr. Tiens qu'à toi. T'as pas le choix entre la puce et le vaccin. Voilà. Je te chie dessus. Tiens-toi, tiens-toi prêt pour ne pas vouloir ni l'un ni l'autre. Hein. Mais oui. Pas le choix, c'est bon. Hé, hey, t'as 47 ans aujourd'hui, on a le même âge. Hé, 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 hé. C'est le bon âge. Hein. Oh, putain, putain, ouais, tu l'as dit. Mais t'inquiète, ça va venir vite. De toute façon, tu l'as déjà vu. T'inquiète. Problème en vélo, j'ai fait le con. Ah ouais, t'as encore chargé ton vélo attaqué comme si c'était un Peugeot Partner. Hein. Bravo, hein. Mais en tout cas, t'assures à mort quand même, malgré tout. Le Zéphri, il a avec un vélo, il a chargé des chevrons, des conneries comme ça, avec je sais pas combien de kilos le mec, en vélo. Un tueur. Ah, il était vide. Ah ben merde. C'est pas grave, de toute façon ça peut arriver. Les accidents moto, la plupart se passent à l'arrêt ou alors à faible vitesse. Donc tu vois bien qu'on peut très bien... Non, moi je... Non, non. Ah, mais tu vois, t'avais quand même une carriole de chargée, donc c'est pas pareil. C'est notre ami La Grande Vie, Morane, qui a fait un vélo avec une remorque derrière, super. N'hésitez pas à aller vérifier sa chaîne, vous allez voir. La Grande Vie, ça s'appelle. Il était à l'arrêt, tu vois. Capucine, tu t'excites un peu vite là parce que déjà il faudrait qu'on se rencontre
et qu'on fasse rencontrer nos deux chats pour qu'ils fassent des bébés et de là commencer à... Hein ? Est-ce que tu viens cet été ou ce printemps faire un peu de la carter, tiens ? Ouais, mettez les liens, sinon c'est vrai que c'est chiant. Pardon, à chercher par soi-même et à trouver quoi. Surtout qu'on n'a pas réellement ce qu'il faut. Des fois, on met les liens et il faut chercher pendant une heure en plus. Ah, putain, je suis mort. Et vous êtes 30. Putain, wow. C'est chaud, hein. Il était 6 à un moment, 6, ouais. Après c'est repassé à 8, et 30. On n'est pas bien là. Et Tintin, il y en a. Oh, moi je baille au corneille là. Tu veux dire le corneille baille en toi? Ouais. Le corneille baille en toi. Ça s'organise, nanana. Ouais, bah là, si ça va comme c'est prévu, effectivement, on va pouvoir organiser ça vite. Le seul truc, c'est que j'avais pas envisagé de monter avec mes animaux quand même. Mais bon, ça peut toujours se faire. Hein. Ok, mon Zéfri, j'espère qu'on sera encore là, mais on va aussi quitter dans pas longtemps, là, hein, je te promets. Hein. D'ici 30 minutes, le temps qu'on termine les verres, on est au dodo. Hein. Ouais, ça arrive plus. Eh ben, dis donc. kilos sur ta charrette, Rémi, eh ben, dis donc, t'es un champion, toi. Écoute, les petites fumées, ça va donner un coup de punch. La petite fumée? Ouais, c'est bien, la petite fumée aussi. Tu connais? Du seigneur Aurel. T'as 6 barous. Ok, Zéfri, peut-être à tout à l'heure, là. Marc, tu vas à l'encontre de l'ego humain. C'est ta mission sur Terre et avec passion. C'est bien de faire les choses avec passion. C'est là où on les fait le mieux. Fais des photos, Rémi, hein, parce que ça, c'est un truc de fou. Bah, moi aussi, on me les donne pas, regarde. On dirait que j'ai 47 ans. Hein ? Ouais. On dirait que j'ai 47 ans. Joker. On te demande c'est quoi le son ? C'est là ? Ouais, le son là qui tourne. Là, c'est Hugo Kent. Hugo Kent. Ouais, mais ça, mon cœur, c'est normal que tu dises non. L'amour rend aveugle, hein, tu le sais, hein, comme on dit. Hein. T'aveugle. L'amour rend aveugle, mais l'amour t'aveugle aussi. T'aveugle. Hein? En deux mots. Bon, c'est descendu à 29, allez, on va déco. Perso, à 24 ans, on me donnait 16 ans. Et à 30 ans, c'est 42. T'es sérieux? Qu'est-ce que tu nous as fait, Rémi, pour... Hein? Qu'est-ce qui se passe dans ton espace? Qu'est-ce qui se passe dans ton espace? C'est ça. Merci à vous, toute cette ambiance, paix, joie, bonheur, tout ce qui va avec. L'art et la solution. Samira Saint-Étienne. À Calvitie, Rémi. Moi, la calvitie, c'est pas de mal à veille, hein, regarde.
Tu veux voir les engins que j'ai là-dessous, là? Regarde. Tiens, tiens, regarde-moi ça. Tiens, tiens, tiens. Je te regarde, t'en veux un autre? La caville quoi? Tiens. Ouais, la caville quoi? La caville quoi? Ouais, regarde. Attends, attends, attends. La caville quoi? La Calvin Klein. La Calvin Klein. Bon, lui, on sait pas, il se rase, lui, parce que... Autant lui se rase pour être pratique, autant moi maintenant je laisse pousser pour être pratique parce que ça m'a cassé les couilles de raser. Ouais mais raser, t'es obligé de raser tous les combien de temps pour être propre, nickel? Tous les 3 semaines. C'est ce qui m'a emmerdé moi. C'est ouais, que... une fois par mois, mais même une fois par mois c'est relou. C'est relou, faire quoi, moi, une fois tous les 6 mois. Ouais mais je les lave quand, une fois par mois, tu vois. Et je me rase une fois par mois. Mais tu te laves la tête quand même, non hein? Quand tu te laves, tu te laves aussi la tête. Oui, quand je me... mais quand t'as pas de cheveux, t'as rien. Oui, mais tu te laves quand même. Oui, tu passes. Oui. Mais tu te laves quand même. Tu te laves la tête quand même. Ben moi, c'est pareil. Ça durera tout petit peu plus longtemps. Et voilà. Et moi, j'ai gain de temps. Ouais. Pour raser, ça me prend 10 minutes. Eh ben, 10 minutes plus 10 minutes une fois par mois. On est pareil. On est pareil pour entretenir notre cuir chevelu. Vous courez où comme ça avec 10 minutes pour vos cheveux? Moi, 10 minutes. Moi, 2. De toute façon, je te dis un mois, mais là, ça fait au moins 6 mois que je les ai pas lavés. Hein, les engins. Wouh! On dirait une pieuvre qui sortait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est tout ça? Comment que c'est? La main de la racine. T'en veux des cheveux? Je t'en donne, regarde. C'est la main de la racine qu'elle n'est pas carrée. La musique, c'est Léo Rojas, c'est ça? Non, Hugo Kent. Hugo Kent, K-R-O-L. Home. Ça fait full album, hein? Hugo Kent. Si je fais 31, Samira, tu me gâtes. Hein. J'ai 2 ans l'année prochaine. Ah non, tu parles de 31 visionnage, d'accord. C'est pas pareil. T'enflamme pas. Redescends, reste tranquille. Calme-toi. Sniff. 31, tout, malheureux. Tout voilà. Doux, l'ami. Bon, ça a été mon âge il y a quelques temps. Je vais pas m'en plaindre. Attends, ouais, j'ai la valeau claire, ouais, voilà. Carrément. Ouais. Savon de Marseille, eau claire. Savon à lèvres. Ouais, des fois je change. Regarde, hop, on dirait que je suis rasé. Poxy TV, c'est bien, je vais passer un bout de soirée avec vous. Joe l'incruste. Ouais, sauf qu'on déco dès que Résistant du 33 ait fini son verre. Alors je vais te dire, hein, regarde, c'est un verre de Pastaga, il est plein à craquer. C'est 50 centilitres. Hein. Donc là, il y a encore au moins 25. Le problème, c'est que lui, il a un lac là-dedans. Donc il boit ça en deux temps, trois mouvements. Fond, hein. Sans fond, sans fond en plus, ouais. Hein. Donc, tiens qu'à lui à faire traîner ou à écourter le truc. Donc, en tout cas, deux gorgées, ciao, au revoir. Ouais, je ne sais pas comprendre. Hein. Il laisse pas traîner les bonnes choses. One love. Bonne nuit à toi, Poxy. Ouais, Zéphri, moi je sais que t'as la patate, donc il n'y a pas de raison. Ouais, janvier, ça va péter. Même avant janvier. Hein. 31. Tu vas où, toi? Ça y est, tu te casses? Bah, faut savoir. Hein. Bah, il a pas fini son verre, quand même. Ouais, mais, ah, tu te prépares, ouais, tu te mets au chaud. Ans, je vais courir. Il se met au chaud, il se met au chaud. Je veux courir doucement. Tu connais là, un peu plus. C'est ça, Albania. Il faut profiter tant qu'il en a encore temps. C'est ce qu'on fait. Hein. Nous, on sait très bien que. Ouais. On sait très bien qu'un de ces 4 matins, il va falloir se restreindre parce qu'il va falloir donner de notre temps. Et donc, eh ben, en attendant, on profite. Après, c'est vrai que on n'attend pas après des sauveurs. On est responsable de nous-mêmes.
Non, ça m'ira jamais. Plus je me couperai les cheveux. Si je me les coupe, c'est juste sur les côtés et sur la nuque pour avoir un peu d'air l'été. Et puis voilà, je les coupe plus. C'est trop d'entretien. Zéphry, c'est sûr qu'un accident, ça te freine pour faire des trucs. Hein. Rien qu'une simple petite coupure au doigt, des fois t'es handicapé comme un malade. C'est vraiment... Pardon. Soin. T'as vu, tu dis soin. Eh ben, en chinois, ça veut dire aïe. L'ail, c'est soin. Donc il faut en manger tous les jours de l'ail si vous voulez être en bonne santé. En plus d'autres choses, hein, parce qu'il n'y a pas que ça. Je savais que tu allais me dire ça, toi. Hein, je connais quelques mots en chinois. Ne me largue pas, toi. Ouais, c'est bien. Tu crois que je vais t'emmerder en plus? Je vais louper. Bon, tu prends une bière? Je ne me crois pas. Non, non, je prends plus de bière, hein, c'est fini. Non, 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 non. Il faut que j'aille faire pipi là et puis je vais au dodo. En plus, il va falloir que je prenne mon pot de chambre parce que tu peux être sûr que je vais me réveiller dans la nuit pour pisser. Et puis là, vu comme ça caille, je ferai pipi dans ma mezzaline. Hein. Si j'ai trop froid là. Ouais, je suis un vieux, hein, maintenant. Hein. Ça me pousse votre foi en l'humain. Ouais, mais Marbonne, dis-toi qu'il y a énormément de moujons, mais regarde, je pense que je suis la preuve qu'il y a encore des gens comme nous. J'ai invité une trentaine de personnes, alors c'est vrai qu'il y en a certains qui, voilà, mais ils ont quand même l'envie de vouloir faire des choses, même s'ils ne le feront pas. Mais il y en a quand même presque la moitié qui étaient motivés et qui sont chauds. Chaud de chez chaud, tu vois. Donc je garde la foi, je garde l'espoir, je le garderai jusqu'à la fin. Et même si c'est pas pour les masses, c'est pour les gens comme nous. On est très peu, mais assez nombreux pour faire ce qu'il faut. Croyez bien. Hier, t'as Carouf qui t'a fait un cadeau de Noël. J'étais avec mon frère et on avait deux comptes, dont un caddie avec 4 bidons de 20 litres de pétrole. Putain. Excellent. Ah, c'est toi qui l'aides à terminer le bordel? Attends, tu crèves la soif. On partage, le partage. Ah, c'est pas. Partage à 100%, c'est ça. J'ai mangé. Ouais, il y a la position pour sec. J'ai pas mangé longtemps. Ah ben là, t'as pas eu besoin. Avec les litres qui sont envoyés, il a terminé la bouteille. Ouais. Donc je pense qu'il peut. J'oublie ça. Il le fait passer pour un poivreau alors que. Mais je m'en fous, j'ai un petit fond là, pour la. Mais c'est bien, un petit fond, en avant les hirondelles. Un petit fond. Trois petits tours et puis s'en vont. C'est pas ça? Un petit tour et elles sont belles. Moi, j'ai déjà mes plans en cas de détresse, malheureusement, dans des temps comme ça. On pourra compter que sur soi-même, KR1, certes, mais soi-même, c'est quelques personnes quand même, tu vois. Après, parce que. Local, mais voilà, il faut faire. Mais même au dehors du local, la preuve, c'est que toi, t'es loin, t'es dans le résistant du 33, hein. Moi, je suis dans le 34. Toi, t'es dans le. Je suis dans le futur. T'es dans le futur, ouais, toi c'est pas pareil, mais c'est pas grave. Oui, tu vois, on est tous éloignés. Exactement. On est tous éloignés les uns des autres, là, les gens comme nous, mais on sait qu'on existe, on sait qu'on est là. Voilà. Si un jour ça pète, on se réunit tous à l'endroit précis où il faudra être. Je vous l'avais déjà dit dans certaines vidéos où c'était. Et ça sera le dernier rempart ultime. Et avant ça, on a quand même 2-3 ZAD. Où on peut se regrouper en attendant. Donc c'est ce qu'il faut faire, c'est garder les contacts entre nous là. On n'a plus le choix maintenant, hein, parce que les masses ils vont se faire vacciner. Regardez, ils sont déjà en train de faire la queue. Hein. Donc t'inquiète pas. Hein. Moi j'ai ma place. KR1, j'ai déjà perdu mon ticket. On est nombreux. Ah ouais, merde.
Ah ouais, d'accord Rémi, j'avais pas suivi. Excellent, trop bon. Et moi ça m'est arrivé avec quelqu'un, on a pris des bières et la personne au lieu de compter, j'avais pris 7 boudales, elle en a compté une à la place des 7. Donc à la place de payer, j'avais pris 2-3 autres trucs, à la place de payer une trentaine de balles rien que dans la bière, ben, j'ai payé 12 balles à tout casser, quoi, même pas la moitié. Trop content, tu pars, t'as le sourire jusqu'aux oreilles, t'es trop content quoi. Et je pense que j'étais chez Leclerc en plus. Donc j'ai mis comme ça chez le pas clair. On était trop contents. T'as juste payé ce qu'il y avait, ouais. Sans tapis, c'est trop bon. 60 balles, c'est énorme. T'as vu ça, Capucine? Elle dit que t'es trop cool parce que quand je t'ai dit toi t'es d'où, t'as dit que t'es dans le futur et donc du coup elle kiffe. Capucine est fine. Je reviens du futur. Ça... Tu reviens du futur. Donc qu'est-ce qui va se passer alors? Dis-nous alors. On va gagner ou? Faut voir au-delà. Faut voir au-delà. Faire attention à maintenant pour justement parvenir au-delà. Ok. Faire attention maintenant pour parvenir à l'au-delà. Ou pour parvenir au-delà. Hein, c'est génial. Hein. Non, bah c'est clair que bientôt l'euro, ça vaudra plus rien. Mais vous inquiétez pas que pour eux, notre temps vaudra toujours énormément de choses. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est que il faut absolument maintenant que nous gardions notre temps pour nous-mêmes. C'est trop fort les cadeaux en caisse. J'ai eu un rouleau de tuyaux enterré gratuit l'autre jour. La caissière me dit que ça reste entre nous. Génial Zéphri. Sympa ta caissière. Ouais, ouais. Moi la mienne, je suis sûr qu'elle n'a pas fait exprès. Hein. Sinon, m'a dit, ah mais non mais je me suis trompé. Je me suis vite barré, je te le dis moi. Trompette. 50 balles d'économiser. Ouais. Tu vois, c'est des beaux cadeaux de Noël. Tip top. Fais du bien. Tu as dû être sage un certain moment. C'est ça. Ben, ça le fait 80 litres de pétrole, attends. Trop puissant. Pour combien? Zéro. 60 balles. 60 balles et 80 litres de pétrole. Ouais. Ben ça fait 20 euros le bidon. C'est pris, c'est pas clair. Je sais pas, je consomme pas ça. Le pétrole pour les poils. Pour chauffer le pétrole, ouais. Pour les poils ziboureaux, machin, ouais, c'est pris. Hein. Oh, mais là, il les a pas payés. C'était gratuit, là. Ah, mais c'est bien ce que je disais, mais bravo. C'est clair, ça fait du bien, ça. Gratuit, c'est pas cher. Probo à 15 balles à Carouf. Ouais, bah ils peuvent se permettre hein, avec les quantités qu'ils achètent, ces cons-là. Ils gagnent tellement de pognon que les PDG, ils repartent avec 500 000 euros de retraite par an. Ça fait 36 000 euros par mois. L'équivalent de... Non, ça fait combien par mois? Ça fait 50 000 euros, je crois. C'est l'équivalent de 36 micards. 36 micards à 1 200 euros, ça fait combien, ça? Ouais, ça fait 12 et 12, 24, ça fait, ouais, c'est ça, c'est 36 000 euros. 36 000 euros, moi, les euros, je ne compte pas. Je compte pas dessus. Moi non plus, je compte plus dessus, les euros. J'en ai plus des euros, d'ailleurs. Ouais. On peut pas tondre un... On peut pas tondre un œuf. Hein. On peut pas tondre un œuf, ouais, ça c'est sûr. Voili, voilou, bah écoutez, on a fini les verres. Ouais. Tout le monde va au dodo. Ouais. C'est quelle heure? Ça fait déjà une heure et demie. Ouais, ça fait plus de deux heures. Attends. 3 heures tout pile. C'est une bonne heure. C'est une bonne heure, hein, 3 heures. 3-0-0. Ouais. Et Plume, t'es encore revenu. Merci à toi. Ouais, non, mais là, on va se cuter. On est mort et tout. On a froid. On est congelé. Le vent, il n'a pas arrêté de souffler et tout. Chez toi, il est 10 heures, mon cœur. Eh ben, dis donc. J'espère qu'il fait beau. Ouais, t'arrives à la fin, ma chère Plume, parce que là. On est tous morts. Ouais, ça baille au corneille dans tous les sens. Regarde, on est à l'intérieur, on a du feu, mais on est tous congelés, regarde. Les mains dans les poches, hein. Tous les mains. Je l'ai ok, mais comment il n'y a que moi qui ne peux pas mettre les mains dans les poches, parce que regarde.
J'ai cette main là, et puis l'autre, je tiens la perche. Alors, moi, j'ai pas les mains dans les poches et j'ai froid. De côté, il tient la perche, de l'autre côté, il tient la perche. Ouais, non, de l'autre côté, j'ai la main entre les jambes. Ben, c'est ça, en fait, t'as raison, l'enfoiré. Il y a un truc qui s'en met. On met la main comme ça, là. Ah, voilà. Là, il y a personne qui te voit et tu tiens l'autre perche, t'inquiète. Peut-être que c'est pas la même que tu tiens. Ça va. 100 euros, on sera heureux, ça, c'est clair. Voilà. Ouais, Plume, on a toujours le sourire ici, tu le sais. Ouais, jusqu'à la fin de la nuit, ben, ils veulent qu'on soit là jusqu'à la fin de la nuit. Comment on fait? On reste ou pas? Ouais. Si, si, le poêle en bois, il est toujours là. Hein, regarde, il est là et puis il fume, il chauffe, t'inquiète. On a fait du bon bois aujourd'hui, je veux dire. Regarde, il est chaud brûlant, le poêle. Mais une fois que j'aurai bien fermé la porte là et que j'aurai mis ce rideau, je sentirai 100 fois la chaleur. Ah, ça pète, hein. Si tu te mets à côté, t'as bien chaud, crois-moi. Ouais, moi du coup, je suis loin d'être à côté, là. La main droite et le tel dans la main gauche. Le synchrone. Eh ouais. Le synchrone, ce soir, il a cramé plusieurs fois. Il en a fait des cendres. Devant et derrière l'écran, tout ce KO. Allez, on va faire dodo. On se revoit peut-être pas demain, mais demain je ferai encore des toutes petites vidéos et après je vous montre tout ça. Des coreco. Après je vais reprendre un petit peu les vidéos politico-actualité. Et puis ben avec quelques infos croustillantes pour bouger quoi. On est déjà demain, ça c'est clair, ouais, plus vite. Donc tout à l'heure, c'est mieux. Bonne nuit, bonne journée. Ah, les beaux rêves, ils vont être faits, t'inquiète. Là, je ferme les yeux, mais je m'endors comme ça. Avec la goutte au nez, tu sais, puis la bulle qui sort, là. En train de ronfler, tu sais. Allez, bye bye Rémi, merci Plume d'être passé, Marbonne, salut, salut résistant du 33, qu'il soit salut présent chez toi, on est là, c'est clair, pardon. Bonsoir à vous, salut tout le monde, bonne soirée. On essaiera de faire une petite vidéo avant qu'il parte, avec la larme à l'œil, hein, parce que tu dis ciao. Ciao, ciao. À demain. Ciao. Ah ah, il a des poumons, lui. Il tient 3 minutes comme ça, je vous le dis de suite. Hein, donc, ouais. Bonne nuit la résistance. Merci Capucine Biv, bis à toi. Live on the stage. Salut à toi. On se casse, désolé. C'est dommage. Ouais. Joyeux fête du vivant chez nous. Donc joyeuse fête à toi. Vive le vivant, comme tu dis, tous ensemble, c'est clair. Voilà, voilà. Allez, Marco veut nous faire un dernier petit poème pour la route. Attendez, attends, bouge pas, je te mets bien, je te filme. Tu 9 à 29 personnes. Ouais. Pour les courageux, pour la fin. Bien, bien, bien. Maintenant, c'est demain. Leur bordel dans la main, dans l'autre ton destin. Le choix, c'est le tien. Tiens-le bien, près de toi, un humain comme toi, son destin comme un point. Point de bordel dans son cœur, comme dans le tien. Bravo mec. Bravo Marco. Bravo mec. On a une star. Bonne soirée tout le monde. Ouais, bonne soirée, merci. Merci à vous d'être passé. Bye 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 bye.
pour l'avenir de l'être humain, parce que la planète, comprend bien qu'elle n'a pas besoin de nous. Hein. De nos cœurs. Allez, faites des beaux rêves tous autant que vous êtes. Et à très bientôt. Merci d'être passé. Et bisous à vous. On garde la force et l'honneur pour le futur combat qu'on va avoir à faire. Bonne nuit. Bye bye.